là dans le bras de son nouveau mari à regarder la salle blanche et la conquise. Trop heureuse pour dormir, pensait-elle avec un soupir. Depuis de sa manière menée la scandaleuse vie avec un inconnu, son mari. Il était un beau garçon blanc jeune veuf entraîné au tennis et l'aviron. Vraiment. Le mariage après une mois de se rencontrer était une petite plus qu'un enlèvement. Elle était étonnée toujours, détenteur, bleu toute neuve. Au lieu de quelle de rose abricot qu'elle avait quand elle était pavillée. Comme il a, laissé long, se disait-elle avec surprise comme un orphelin. La main droite du mari à côté d'elle a tressailli. Le bras sur lequel c'est quoi rester, revenir à la vie, il a semblé. Je suis lord, mais il dort, je voudrais me soulever. Le bras s'est tourné encore faiblement et elle a arqué, sans ne pour essayer de se faire plus légère. C'est comme être couché sur un bed, pensait-elle, la naine n'était pas coquette. Elle tenait un peu la tête sur l'oreiller, regardait la main posée à son côté. Comme elle est grande, et elle était comme un gros lion. C'est vrai qu'elle dépasse ma tête, il semble qu'elle s'inquiète. Je lui dirais qu'elle ne met pas venir à ses ongles. Les pauvres sur la main étaient comme une jungle. Le vernis ne va pas mentalement, elle pensait faiblement. Stan et ses cousines électriques ont traversé la main. Elle ne semblait pas humaine. La main a pris une expression crapuleuse et semi-yes. La femme était étonnée que la main fasse un immolesse. Oh! Elle répondait à son dominance comme devant une inconvenance. Un sifflet aperçu, silence là, et le dormeur ne s'éveillait pas. Mais la main, pour se combattre et enfoncer, se crispait en forme de crabe et attendait. Man était pied de travers, la gîte de sur son faible, qui ressemble à une agonie comme un poisson sur le sable. L'angle pas et cruel de pousse trop long brillé, elle ne l'avait jamais remarqué. Une déviation de petit droit a apparu, et le main vautrée montrait sa pomme chenue. Quelle heureux que cette main, je l'ai baisé, je l'avais donc jamais regardé. La main s'ouvrait tout grand avidement, en étalant ses tendons malheureusement. Il a saisi un poignet de drap et en faisait ce drap recourbé. Il a serré avec le plaisir méthodique d'étrangler. La jeune femme a crié pour ce qu'elle témoignait. La main a disparu dans le noir et le grand bras lui protégeait contre les terreurs des soirs. Mais le lendemain matin, du plateau sur le lit, du chocolat mousseau et des routines. Alors après eux, le man russe et rouge et des sous du plateau, et le pouce abominable, arc-bouteille sur le monstre coteau. Elle tressaillit, sentait sa chair en eau, des bras et le long dos. Tu veux cette tartine, chérie? Je l'ai préparée pour toi. Avec effroi, elle a répondu. Oh non, non, pas moi!